soul. I live for you alone. Every breath that I une société qui tourne autour de l'argent, je préfère dire, qui vit par l'argent, dont l'argent est le maître suprême. Alléluia. C'est pour cela que Dieu n'a pas daigné se comparer à un autre Dieu, si ce n'est celui qui crée l'attachement à l'argent dans le cœur des gens. Il a dit, vous ne pouvez suivre deux maîtres à la fois, parce que vous aimerez un et vous aimerez l'autre. Vous ne pouvez suivre Dieu et Mammon, cette divinité qui crée l'amour de l'argent dans nos cœurs. Nous avons compris déjà avec ces deux jeudi que l'argent n'est pas mauvais. Au contraire, c'est une idée ingénieuse qui permet aux hommes de pouvoir s'échanger les choses et qui permet à tout le monde d'avoir accès à ce qu'il n'a pas pu cultiver ou fabriquer. C'était une bonne idée d'échange. Avant, les échanges étaient très compliqués sans argent. Alléluia. Aujourd'hui, l'argent permet vraiment de faire tourner les économies, de faire tourner les sociétés. L'argent n'est pas démoniaque, l'argent n'est pas mauvais. La parole de Dieu dit que l'argent même répond à tout. Et Dieu que nous adorons est un Dieu de l'or et de l'argent. Il apporte de l'argent. Vous avez écouté l'enseignement du pasteur Nyango ici qui parlait de cet entrepôt qu'il a mis dans le ciel avec tous les biens du monde entier. Et il disait que Dieu avait la possibilité de financer tout dans nos vies. Mais le problème avec l'argent, selon notre rapport avec l'argent, que Dieu a avec nous par rapport à notre rapport avec l'argent, c'est le fait qu'on arrive dans cette dimension où on rentre dans ce qu'on appelle l'amour de l'argent. Hébreux 13, 5 nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai. L'amour de l'argent est créé dans le cœur de beaucoup pour diverses raisons qu'on a déjà vues. Généralement, quand on dit ce verset, on se dit, je ne suis pas concerné. Parce que je n'ai pas vendu mon corps pour l'argent, je n'ai pas tué pour l'argent, je n'ai pas volé pour l'argent. Il y a beaucoup de choses que tu fais pour l'argent sans t'en rendre compte. Alléluia. L'argent a tellement un pouvoir élevé que beaucoup sont attachés à cet argent. 1 Timothée 6, 8 nous dit, si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Et je disais la dernière fois que un enfant de Dieu ne doit pas chercher à s'enrichir. Il doit chercher la prospérité. Ce n'est pas pareil. La prospérité nous amène dans le fait que nous ne manquons de rien. Mais l'enrichissement, c'est dans le but de pouvoir être honoré, avoir une position sociale dans notre société.
Je dis, voilà, j'ai des maisons, j'ai construit. Voilà, j'ai des voitures. Voilà, j'ai des terrains. Ça, c'est l'enrichissement. Mais la prospérité, c'est lorsqu'on ne manque de rien. Et tout ce que nous avons besoin, Dieu pourvoit à ce nécessaire. Nos enfants ne manquent de rien et rien ne manque dans nos vies. On appelle ça la prospérité. Beaucoup ont des milliards dans leur compte. Ces milliards-là, jusqu'à ce qu'ils finissent de vivre, ces milliards ne finiront pas dans leur compte. Ces personnes, on appelle ça l'enrichissement. Et plusieurs veulent atteindre ce niveau à cause de l'honneur et de l'élévation ou de la gloire qui est attachée à l'enrichissement. La Bible dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Voilà les choses que les enfants de Dieu doivent rechercher. On a vu comment Géasi s'est fait prendre une maladie terrible à cause de l'amour de l'argent. Ce n'est pas que Géasi manquait à manger. Ce n'est pas que Géasi manquait de vêtements. Auprès d'Élisée, il avait tout. Mais Géasi voulait s'enrichir. Alléluia. Et il s'est retrouvé avec la maladie. Et nous avons fait comprendre que l'argent est un grand moyen de transmission spirituelle de beaucoup de choses négatives. Et on a vu comment Judas aussi, dans le désir de l'enrichissement, j'ai dû donner à manger à tout le monde. Jésus offrait toutes choses qu'ils avaient besoin quand ils étaient avec lui. Mais Judas ne voulait pas ça, il voulait s'enrichir. Il y a des gens qui ont juste des simples postes où ils ont le minimum pour vivre, où ils s'en sortent, ils n'ont pas de problème, ils vivent bien leur vie. Ils font même des épargnes pour leur retraite. Mais quand le désir de l'enrichissement rentre dans leur cœur, ils rentrent dans la corruption, ils rentrent dans le mensonge. Des fois, ils rentrent même dans des choses plus terribles que ça. Alléluia. Il y a des gens qui commencent très bien le ministère. Ils ont le minimum, ils arrivent à payer le loyer, ils arrivent à faire ce qu'il faut pour le ministère. Mais le désir de l'enrichissement, des fois, les éloigne du chemin par lequel ils avaient commencé. Il y a des chances que Dieu a consacrées pour son œuvre. Et ils ont commencé à servir Dieu. Et ils ne manquent de rien. Mais le désir de l'enrichissement a compromis leur ministère. Ils ont commencé maintenant à utiliser ces talents que Dieu leur a donnés pour pouvoir s'enrichir. Pour pouvoir, lorsqu'on les invite dans un programme, venir dans une voiture qui claque. Dans des vêtements qui claquent. Avoir des maisons qui claquent ainsi de suite pendant qu'il ne manquait de rien. Et beaucoup de ces personnes finissent par te retrouver dans bien de tourments et dans des pièges. Dans des gens, je vous le dis, ne dorment plus en paix parce qu'ils ont fait tellement de choses terribles pour avoir de l'argent. Et ils sont plus en paix. Ils sont dans la crainte qu'on les attrape un jour. Alléluia. La Bible même parle des serviteurs de Dieu, ceux qui servent le Seigneur. Philippiens 3, 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Dieu pleure, parce que plusieurs de ses serviteurs ont désiré l'enrichissement. Et ils sont tombés dans bien de choses. Et Jésus dit, ils pleurent encore pour ça. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est-à-dire ce qu'ils peuvent obtenir eux. C'est ce qui est plus important pour eux. Et ces personnes sont tombées dans l'amour de l'argent. L'amour de l'argent a compromis beaucoup de ministères. Il y a des hommes de Dieu authentiques qui se sont compromis aujourd'hui, qui ne peuvent plus prêcher la sanctification, parce que la sanctification ne permet pas toujours l'enrichissement. Alléluia. Qui sont obligés d'étudier un peu leur message pour s'enrichir davantage, pour être accueillis comme des princes à des endroits, pour être glorifiés à la place du roi. Alléluia. Amen.
Quel signe montre quand on est atteint par l'amour de l'argent? Quel signe montre qu'on est atteint par l'amour de l'argent? Le signe le plus évident, qui est le plus courant, c'est que quand on est atteint par l'amour de l'argent, on est prêt à tout, ou du moins à beaucoup, et des fois au pire pour l'argent. Amen. Prostitution, corruption, mensonge, vol. Si tu mens pour l'argent, tu as l'amour de l'argent. Parce que le fait que tu as menti pour l'obtenir, tu as préféré frustrer Dieu que de frustrer maman. Alléluia. Car nous savons que le mensonge attriste le Saint-Esprit. Amen. Les pactes diaboliques, les histoires de laver son corps, aller dans tel marabout, faire ci, les sacrifices humains de foi, les faux coups, la prostitution, l'homosexualité, les meurtres, les injustices, le vol. Lorsqu'on est prêt à faire toutes ces choses-là pour gagner un peu d'argent, on a un problème. Lorsqu'on est prêt à trafiquer pour que nous, on gagne de l'argent, à mentir pour qu'on gagne de l'argent, à se prostituer pour coucher avec quelqu'un, même si c'est qu'une seule personne, pour être à l'abri du besoin, ça, c'est l'amour de l'argent dans nos cœurs. Alléluia. Et Dieu veut qu'on soit délivré de cela. Parce que tous ceux qui sont dedans ne sont pas en paix. La Bible dit que l'amour de l'argent va nous conduire dans bien de tourments. Amen. Deux, lorsqu'on désobéit à Dieu pour l'argent. Lorsqu'on désobéit à Dieu, ça rejoint un peu le premier, mais c'est pareil, il faut le dire. Lorsqu'on préfère faire ce qui est mal, ce que Dieu n'aime pas, pour juste avoir de l'argent. Et dans notre société aujourd'hui, un grand nombre, près de 80-90% des personnes sont prêtes à beaucoup pour l'argent. Alléluia. Sont prêtes à beaucoup pour l'argent. Beaucoup pour l'argent. Je me rappelle encore, tu vois, à une année de l'année, il y avait plusieurs chanteuses qui étaient décédées. Parce que tellement ils voulaient beaucoup d'argent, eux, avoir une carrière tellement loin, et étaient très riches, elles avaient accepté que des richards, des hommes riches, puissent aller déféquer sur elles, pour que demain elles soient plus riches. Et ça avait marché. Je n'ai pas dit les ministères, mais leur carrière avait explosé. Et quand maintenant le diable a commencé à réclamer, elles ont commencé à mourir une à une. Et l'une des dernières est vite allée se convertir. Et c'est elle qui a été sauvée. Elle a avoué ce qu'elles ont fait. Alléluia. Une personne qui n'a pas l'amour de l'amour ne peut pas être tentée. Lorsqu'on met face à lui, obéir à Dieu. Et puis avoir de l'argent, il n'y a pas de discussion à faire. C'est clair qu'on va laisser ça, quitte à ce qu'on soit pauvre, mais on obéira à Dieu. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, aujourd'hui, tu vas peut-être souffrir pour avoir tout ce que tu veux. Mais sache que Dieu prépare un temps où tu ne manqueras pas. Tu ne manqueras plus de quoi que ce soit. Le problème de l'homme, c'est qu'il est pressé de vite arriver à ce moment-là. C'est pour cela que beaucoup tombent dans bien de pièges. Alléluia. Vaut mieux mille fois obéir à Dieu que d'obtenir quoi que ce soit dans la désobéissance. Amen. Donc quand on aime l'argent, des fois, on se retrouve à désobéir, à mentir. Et dans nos églises, on trouve ça. Des sœurs qui se marient, pas parce que le gars, tu lui as dit quelque chose de la part du gars, mais parce qu'il a une bonne situation. Tu lui as rien dit. Et on a déjà vu ce genre de cas dans notre assemblée qu'on a commencé. On a eu des frères qui étaient très lentils. Et puis d'un coup, comme ça, il y a au moins trois sœurs qui ont reçu la révélation que c'était le mari. On a compris que c'est l'amour de l'argent. Amen. Et des fois d'autres prennent leurs envies pour le Saint-Esprit. Prennent leur convoitise comme si le Saint-Esprit leur avait parlé. C'est ta convoitise qui t'a parlé, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et quand je reçois les révélations de toi, je me rends compte qu'elles ont des vrais problèmes en fait. Amen. Parce que l'argent a brillé dans leurs yeux. Trois, on devient irritable et nerveux quand il manque de l'argent.
Des fois même, on a du mal à prier. Quand il n'y a pas d'argent, il y a des gens qui deviennent nerveux, irritables, stressés, angoissés. Faites attention. Des fois, c'est les causes de l'amour de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui doit t'apaiser. Ce n'est pas l'argent qui doit te donner ta paix. Enfin, celui qui donne ta paix, c'est ton Dieu en réalité. Celui qui te donne la paix dans le cœur, c'est ton Dieu. Amen. Donc, si l'argent n'est pas mon Dieu, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, je suis en paix. Alléluia. Parce que celui qui me donne ma paix, ce n'est pas lui. C'est le Dieu que je sers. Le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, que l'argent soit là, qu'il ne soit pas là, je garde ma paix. Parce que le Dieu que je sers, il a l'or et l'argent, il est sommeil, il dort, il voit mes besoins. Il se lèvera à un moment donné, comme il était dans la barque, et pour calmer le vent et la tempête, il le fera. Alléluia. Donc, faisons très attention. Amen. Faisons attention. C'est pour ça que quand je dis tout en temps, pas de l'amour de l'argent, beaucoup m'ont dit, je ne suis pas concerné. Parce que je ne suis pas prêt au pire. Mais fais attention. Si on va dans les profondeurs, Dieu dans les détails, on va se rendre compte que tu as un problème avec l'amour de l'argent. On s'attend régulièrement quatre au jeu du hasard. On fréquente les casinos. On aime les tontines. Les tontines aujourd'hui sont présentées comme des choses sages. Presque toutes les femmes le font. Ça dit c'est bien. Mais faites attention. Alléluia. Non seulement l'argent est un moyen spirituel de transmission de toutes choses. Et si tu ne t'assembles pas avec les gens qui ont le même esprit que toi, il peut avoir un problème. Alléluia. Amen. Donc on s'attend régulièrement au jeu du hasard, on fréquente les casinos ainsi de suite. Bien sûr, l'amour de l'argent se traduit par l'avarisme et la cupidité aussi. Quand tu es avare, quand tu n'aimes pas partager, quand tu caches ton argent, quand tu n'aimes pas donner, quand tu es cupide aussi, quand tu es prêt, tu aimes beaucoup l'argent. Il y a des gens qui ne donnent ni au monde ni l'offrande. Ils ont l'argent, mais ils ne viennent jamais donner. Ou s'ils ont donné, leur titre, c'est fini. Il n'y a plus rien. Tout le mois, ils ne donnent pas. Ils ne donnent plus rien. Ils ne se sentent pas concernés de donner dans la maison de Dieu. Les uns, des fois, c'est de l'avarisme. Parce qu'ils pensent à leurs besoins. Des fois, ils utilisent leur argent pour faire des choses banales. Cet argent pourrait servir pour aider l'œuvre de Dieu à avancer. Des fois, l'amour de l'argent se traduit aussi par le fait qu'on croule sur les dettes. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui aiment la sensation du pouvoir que l'argent peut apporter. Et ils sont tellement collés à ce pouvoir-là pendant qu'ils n'ont pas cet argent. Et ceux qui aiment beaucoup prendre les dettes ont des problèmes avec l'argent. Il y a d'autres aussi qui pensent toujours à demander. Lorsqu'ils voient quelqu'un qui en possède, ils veulent demander. Et là, c'est un gros problème aussi, et c'est l'amour de l'argent. À chaque fois qu'ils voient que quelqu'un a le moyen, ils ont envie de demander. Et ils aiment demander. On a vu des cas ici dans l'église où des gens aimaient demander l'argent. Il y a certaines personnes de l'église qui étaient constamment embêtées. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que toutes ces personnes-là viennent nous en parler. Vas-y, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me demander de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est important qu'il m'en parle pour que moi je sache qu'est-ce qui se trame. Parce qu'à l'église ici, on se fait confiance. Mais il y a des gens qui passent de personne à personne pour demander de l'argent. Et ça, c'est l'amour de l'argent. C'est dangereux. L'une des raisons, l'un des signes qui est le plus fréquent et que moi je combats toujours, c'est le fait qu'on accorde plus d'importance à celui qui possède de l'argent qu'à celui qui n'en a pas. Ça, c'est une tradition que tu es impartée par l'amour de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui donne de la valeur à quelqu'un. Amen. Je répète, ce n'est pas l'argent qui donne la valeur à quelqu'un. Un enfant de Dieu doit accorder du respect, de la considération à quelqu'un qui a de l'argent et aussi à quelqu'un qui n'a pas de l'argent. Et dans nos églises, quand quelqu'un qui a de l'argent vient, il a plus d'attention que quelqu'un qui n'a pas de l'argent. Et ça, c'est des gens qui sont impartés par l'amour de l'argent. Parce que la société, c'est l'argent qui est le dieu des gens du monde. C'est l'argent qui qualifie qui est important et qui ne l'est pas. Dans la société dans laquelle nous vivons, si tu as beaucoup d'argent, tu es déjà important. Même si tu ne connais rien, si tu n'as rien, si tu fais rien, tu es important. Mais à les regards des enfants de Dieu, tout le monde est important. Et donc, l'importance se distingue maintenant en fonction du dépôt de Dieu en toi, en fonction de ton appel.
C'est d'accord, oui, on va honorer un homme de Dieu qui a un dépôt, mais pas parce qu'il est milliardaire. Vous allez voir des petits hommes de Dieu de rien du tout parce qu'ils ont beaucoup d'argent. On va leur accorder tous les honneurs. Et quand ils viennent dans les églises, on va lever les vieillards, des hommes de Dieu qui ont du chemin, mais qui ne sont pas riches, mais qui ont du ministère pour faire asseoir ces petits-là. Alléluia. Non. Quand tu parles à quelqu'un qui a de l'argent d'une manière, mais tu parles à quelqu'un qui a de l'argent d'une autre manière, c'est que toi-même tu as un problème avec l'amour de l'argent. Parce que tu es ensemble avec ceux qui disent que l'argent est un Dieu. Et nous nous voyons dans l'église, même ceux qui font asseoir les hôtesses, les évangélistes, tous les suiveurs d'âme, tu vois, ils accordent plus d'importance à ceux qui prient, qui ont plus de reflets de l'argent sur eux. On doit pouvoir recevoir tout le monde. C'est pour ça que nous, à Chambon, des fois, des gens se frustrent parce qu'ils estiment qu'avec le niveau de finances qu'ils ont, ils devaient avoir beaucoup plus d'attention. Non. On accorde de l'attention à tout le monde au même niveau. Alléluia. À tout le monde au même niveau, parce que c'est comme ça que Dieu nous regarde et qu'il nous voit. L'argent pour Dieu, ce n'est rien. On n'est pas grand devant Dieu parce qu'on a beaucoup d'argent. On est grand devant Dieu à cause de notre état d'humilité. Alléluia. 9. Le temps et les sacrifices qu'on fait pour l'argent. Et ce temps et ce sacrifice qu'on fait, on n'accorde jamais aux choses de Dieu ou à la relation qu'on a avec Dieu. Tu peux dire à quelqu'un jeune pour que ta situation de travail se développe, c'est dit 10 jours, tu jeûneras. Mais dis jeune pour que ta vie spirituelle se relève, tu dis 2 jours déjà, il se soufflera. Parce qu'il est plus prêt à beaucoup plus de sacrifices pour son état financier que son état spirituel. Ils sont prêts à aller se faire laver tout nu dans des choses pour leur état financier que pour leur état spirituel. Ils sont prêts à aller se faire frapper dans des endroits humiliés pour leur état financier que pour leur état spirituel. C'est l'amour de l'argent. Alléluia. Amen. Si tu prends autant de temps dans ton travail, tu dois pouvoir aussi y accorder plus de temps pour Dieu. Mais il y a des gens, quand ils ont commencé un travail, Dieu regrette leur avoir donné ce travail parce qu'ils n'ont plus le temps pour Dieu. Toute leur vie, c'est de l'argent, même pour leur propre femme, ni pour leurs enfants. Ils leur font comprendre, mais je travaille Dieu pour vous donner de l'argent. Vous devez être reconnaissant. Mais non, l'argent ne peut pas remplacer l'affection que tu donnes à ta femme et à tes enfants, ni ta présence, ni ton amour. L'argent ne peut pas le remplacer. Alléluia. Amen. On se donne beaucoup de temps, on fait beaucoup de sacrifices pour l'argent, des sacrifices qu'on ne fait jamais pour Dieu. L'amour de l'argent aussi dans le cœur de ceux qui servent Dieu pour cela. Alléluia. C'est vrai qu'on est arrivé à une société, à un niveau de l'église, où beaucoup de choses sont payées au sein de l'église. Et lorsque quelqu'un vient enseigner, il y a un cachet qu'il faut lui donner avant qu'il arrive, et un cachet qu'il faut lui donner après qu'il ait prêché. Que lorsqu'une chante vient chanter, il faut lui donner un cachet avant et après. Alléluia. La Bible que vous avez reçue gratuitement. D'autres aujourd'hui prennent la justification pour dire, mais le ça, le CD, le ceci, le cela, mais comment je vais payer? C'est pour ça, c'est pas mauvais. Normalement, un homme de Dieu doit comprendre qu'il doit soutenir le ministère des autres. Mais ce n'est pas aux autres de réclamer l'argent pour le ministère. Parce que l'ouvrier mérite son salaire, mais son salaire n'est pas donné par ceux qui l'appellent pour servir le Seigneur. Parce qu'il ne sert pas les hommes, il sert Dieu. Et c'est celui qui t'emploie qui doit te payer. Je préfère 1000 fois que Dieu me paye que les hommes me payent. Parce que quand Dieu me paye, il ne me paye pas seulement qu'en argent. Il me paye en faveur, il me paye en grâce, il me paye en santé, il me paye en victoire, il me paye en délivrance. Alléluia. Il me paye en élévation. Mais si tu résumes tout à l'argent, tu vas te rendre compte que l'argent ne va pas t'amener quelque part. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui, nous avons des chambres dont les ministères sont glorieux. Mais nous ne pouvons pas les avoir. On ne peut pas les inviter. On peut juste les écouter sur Internet, mais ça se limite à ça.
Parce que ceux qui ont droit à les avoir dans leur église, c'est ceux qui ont l'argent. Mais Jésus, tout le monde pouvait l'avoir chez lui, même dans sa maison. Alléluia. Tout le monde pouvait avoir même Jésus dans sa maison. Et tout le monde pouvait le toucher. La preuve, la femme qui était la paix de sang depuis 12 ans. Mais ces personnes-là, l'argent est venu tellement rentrer dans leur ministère qu'ils ne sont plus accessibles à quoi que ce soit. On ne peut plus les toucher, on ne peut plus les approcher. Mais si le ministère te fait du bien, tu dois seulement être béni à parler à ministère de loin. Tu ne peux même pas les écrire pour dire vraiment, on aimerait que vous veniez dans nos églises pour nous enseigner un peu telle chose, pour nous partager telle chose. Tu ne peux pas. Dès que tu les écris, ils t'enverront les fiches techniques. Peut-être voilà tout ce que tu dois faire avant que j'arrive. Alléluia. Et ça, c'est l'amour de l'argent. Ces personnes-là ont pour Dieu leur ventre. C'est vrai quand ils se retrouvent entre eux, ils justifient cela. Mais Dieu ne peut pas comprendre. Parce que si Jésus n'a pas été, alors je ne peux pas accepter que quiconque puisse l'être. Cette femme prostituée est venue laver les pieds de Jésus avec ses cheveux. Tout le monde pouvait avoir accès à Jésus. Tu pouvais avoir Jésus pour dormir chez toi. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a des gens que tu ne verras jamais de tes propres yeux tant que tu n'as pas d'argent. Alléluia. Vous avez reçu gratuitement Matthieu 18. Donnez gratuitement. Alléluia. Et l'amour de l'argent est traduit comme ça. Beaucoup sont touchés par ça. Tu parles à quelqu'un, dès que tu parles de la réussite de sa vie, il s'intéresse à ce que tu dis. Quand tu parles de sa consécration et de pouvoir avoir une vie plus rapprochée de Dieu, alors tu ne parles rien de bon. Parce que l'argent est plus important pour lui ou pour elle que tout le reste. Alléluia. Il faut qu'on se ressaisisse. Amen. Dieu veut nous donner de l'argent. Nous avons besoin d'argent. L'argent est nécessaire pour nos vies. Mais ne tombons jamais dans l'amour de l'argent. Alléluia. Ne tombons jamais, veillons sur nos cœurs. À chaque fois, rassurons-nous. Pourquoi nous sommes dans cet état? Pourquoi nous cédons à cela? Et rassurons-nous que ce n'est pas à cause de l'argent. Alléluia. Aujourd'hui, tu as le respect quand tu as de l'argent. Mais quand tu n'en as pas, on ne te respecte pas. Tu as de la considération quand tu as de l'argent. Mais ça, c'est les sociétés du monde. Nous, les enfants de Dieu, qui avons l'esprit de Dieu, le regard de Dieu, nous voyons à ce qui est caché. Nous regardons au cœur. Et nous accordons de la considération aux gens parce que avec le regard de Dieu et non pas à cause des moyens qu'ils sont. C'est cela qui montre qu'on n'aime pas l'argent. Alléluia. Amen. La Bible nous dit pour terminer, Matthieu 6, 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre ou la boue détruisent, où les voleurs percent et dévorent, mais amassez-vous des trésors dans les cieux, où la terre ou la boue ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni les dévorent. Nous devons comprendre, un, déjà, que nous ne devons pas courir vers la richesse de ce monde, mais nous devons chercher à être riches pour Dieu, riches en haut. Et nous savons que les trésors dans les cieux, ce n'est pas de l'argent physique qui y rentre, sinon ça serait très injuste que les riches puissent encore être là-bas qualifiés dans les cieux. La preuve qu'on a vu le riche et le pauvre Lazare, on a vu que c'est le pauvre Lazare qui a eu l'accès au ciel. Parce que la Bible dit qu'il est plus difficile à un riche de passer, de rentrer dans le royaume des cieux qu'à un charbon de passer par le trou d'une aiguille. Nous devons comprendre que l'argent est dangereux pour nous. Nous ne devons pas courir vers l'argent. Nous devons chercher à prospérer, mais à prospérer pour Dieu. À prospérer selon Dieu. Et à prospérer pour Dieu. Tu veux obtenir ce que tu veux obtenir. Tu veux réussir pourquoi? Tu veux être élevé pourquoi? Qu'est-ce qui motive ton désir d'atteindre ça? Qu'est-ce qui motive ton désir de construire ça? Alors, quand tu vas bien gérer cela, tu verras si tu aimes l'argent ou pas. Parce que ce qui est attaché, crée l'amour de l'argent, comme je l'ai dit, c'est l'honneur que l'argent donne. Aujourd'hui, tu n'es rien, je t'assure, pour la société. On te parle comme on veut. Mais dès que tu as 200 millions dans ton compte, mon frère, demain, tu seras quelqu'un dans cette société. Mais fais attention. Ce n'est pas parce que les hommes t'élèvent que Dieu t'élève. Amen.
Ce n'est pas parce que les hommes te considèrent que Dieu te considère. Lorsque quand on meurt tous en revenant à zéro. C'est-à-dire en revenant au point où on n'a plus rien. Personne ne part chez Dieu avec quoi que ce soit. Ou personne ne vient se présenter avec Dieu avec une veste de 1000 euros, 2000 euros. Personne. On se présente à nu, sans rien. Dieu remet tout à zéro. Et ce qui va regarder, ce sont nos œuvres. C'est notre cœur. C'est les trésors que nous avons amassés dans le ciel. Ne te fais pas tromper par l'amour de l'argent. Parce que plusieurs tombent dans des tourments et dans bien de pièges. Et c'est l'un des appâts redoutables de Satan. Alléluia. L'un des appâts redoutables de Satan. Si tu n'aimes pas l'argent, tu as déjà une grande protection pour ne pas tomber dans le piège du diable. Mais si tu aimes l'argent, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. Tu vas te retrouver à mentir. Tu vas te retrouver à corrompre. Tu vas être tenté par certaines pratiques. Tu vas être tenté par ceci. Parce qu'aujourd'hui, comme les charlatans qui sont de foi, hommes de Dieu ou pas de foi, ont compris cela, certains donnent des paroles pour penser que tu dois être lavé pour réussir à telle ou telle chose. Et on voit plusieurs chrétiens tomber dans des choses. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer. Parle à ton Dieu. Pour te servir, je vis. Je vis pour te servir, pour te louer, pour te louer. Je vis pour te louer, je vis pour te louer, pour t'adorer, pour t'adorer. Je Nous savons que nous ne devons pas nous attacher aux choses du monde. Nous savons que nous ne devons pas chercher la richesse.
prospérité. Parce que tu as dit, je souhaite à ce que tu prospères à tout état comme l'état de ton âme. Mais Dieu te dit ce soir que tu n'as pas à t'inquiéter, que lui-même prendra soin de toi. En qui tu crois? En l'argent ou en Dieu? En qui tu as foi? En l'argent? En l'argent ou en Dieu? Qui te rassure? L'argent ou Dieu? Qui te donne ta paix? L'argent ou Dieu? Alléluia. Si tu te poses des questions, tu seras le Dieu auquel tu es vraiment attaché. Parce que si tu es attaché au grand roi, à Jéhovah, si tu es attaché à ce El Rapha, tu n'as pas à t'inquiéter sur El Elyon, tu n'as pas à te soucier. Tu vas vivre le jour en disant chaque jour suffit sa peine. Et tu vas suivre le temps de Dieu qui t'amènera là où il a prévu pour toi. Et ta vie sera un jour dans un temps où tu ne manqueras de rien. Alléluia. Fais confiance au Dieu que tu adores. Fais confiance au Dieu que tu sers. Ne mets pas ta confiance à l'argent. L'argent a trompé les grands milliardaires. L'argent a tué des grands milliardaires. L'argent a détruit des familles de grands milliardaires. L'argent a détruit des ministères. L'argent a créé des assassinats terribles. Ne t'attache pas à cet argent. C'est un mauvais maître. C'est un mauvais maître. Mais le Dieu que nous adorons est un bon maître. Et son joug est plus léger. Nous pouvons nous attacher avec lui en toute confiance. Attacher à Dieu en toute confiance. Ressaisis-toi. Réveille-toi. L'argent a déjà rempli trop ton cœur. L'argent a déjà rempli trop ton cœur. Réveille-toi. Ce n'est pas Dieu que tu suis. Ce n'est pas Dieu que tu suis. Tu suis un autre Dieu. Tu t'es éloigné de lui. L'argent a déjà pris toute la place dans ton cœur. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. C'est Dieu que tu dois servir. C'est lui qui est à qui tu dois t'attacher. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi. Car la balache qui est évolue. Merci, Seigneur. C'est toi, mon Dieu. Tant que tu es avec moi, je suis en paix. Tant que tu es là, je ne m'inquiète plus. Tant que tu es là, je ne m'inquiète plus. Alléluia. Je te fais confiance. Parle à ton Dieu, rappelle à ton âme et à ton esprit qui est ton Dieu. Rappelle à ton âme et à ton esprit qui est ton Dieu. Comment lâcher que les mots de Sala. Alléluia. Comment lâcher. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Jésus, je te fais. Ce n'est pas encore fini.
ne peux plus me reposer sur toi que sur l'argent. Que sur l'argent, l'argent n'est pas sûr. L'argent n'est pas sûr. Nous le savons, même si tout le monde pouvait. Nous connaissons ce qu'il y a à l'intérieur. Nous voulons t'aimer plus que l'argent. Nous voulons t'aimer plus que l'argent. Nous balâchons qui les bénissons. Qui bébé, 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 bébé,